et bienvenue à tous pour cette nouvelle série sur Farming Simulator 2022. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de rusher une partie en difficile avec tout ce que Giant nous propose. Donc on va quand même éviter par exemple d'acheter des champs, de les moissonner, de les revendre. Parce que ça c'est vraiment full cheap quand même. On va éviter de prendre les tracteurs et les moissonneuses de mission. Parce que ça c'est pareil, c'est legit, mais bon, c'est peut-être un petit peu abusé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser par contre tous les outils mis à notre disposition, comme la location, comme le crédit, les cartouches, etc. Donc c'est parti, on y va, dans un emplacement vide, en difficile. Alors le choix de la map, M-Creek est beaucoup plus facile, tout simplement parce que les champs coûtent moins cher, il y en a plus, etc. Donc on va peut-être essayer de partir sur Oberon, que je connais un petit peu moins. Donc on va partir là-dessus. Pas de mode bien sûr, les modes c'est du cheat. Donc on y va, on attaque. Voilà, donc ça ce sera mon avatar pour la série. Donc on va attaquer. Alors, déjà on va couper le temps. Voilà. Les champs. Alors moi j'aime bien me placer, je pense que je vais me placer par ici. Ça ce sont des champs qui sont bien pour faire des fermes. On a des grands champs à côté pour pouvoir moissonner, etc. Avoine, soja, en labourage, comment ils sont. Le 30 a pas besoin d'être labouré, le 33 oui, 28, 29 non. Ouais, on va partir par là. Bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc c'est regarder les paramètres. Alors, trop de rouge, voilà. Donc, tout est réglé normalement. Difficile, croissance saisonnière, etc. Destruction des cultures, etc. aussi. Il y a juste un truc que je vais modifier, c'est le stop and go, parce qu'honnêtement, j'arrive vraiment pas à jouer avec. Donc, sinon, on va tout laisser, les ouvriers qui ne rechargent pas, les pierres, la chaux, on laisse tout. Donc, on part comme ça. Là, il n'y a rien à modifier, hein, c'est les unités, etc. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est rembourser les 200 000 de crédit. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc par prendre les 1 million de bonus que Giant nous offre gracieusement. Donc encore une fois, ça fait partie du jeu, donc il faut les utiliser. Ils les ont mis, c'est pour une raison. Donc, on va attaquer par ramasser ces 20 objets à collectionner, qui vont nous rapporter 1 million d'euros. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut. Donc là, on est à 8 minutes 6. Vous allez voir combien de temps ça prend pour faire 1 million. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, il est maintenant 8h16, donc en 10 minutes j'ai fait 1 million, j'ai ramassé toutes les cartouches présentes sur la map. Donc maintenant, on va donc acheter un champ, donc on va prendre le 30. Ça me paraît pas trop mal. Comment il est? Est-ce qu'il est fertilisé? Il n'est pas fertilisé. Il a besoin de chaud, donc pas rentable à louer, à récolter, parce que si je loue une moissonneuse, je pense que je vais à peine rentrer en effet. Peut-être que je vais faire un petit peu d'argent, mais vu le temps que j'ai dépensé dessus, ça me semble pas très rationnel de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le cultiver. Donc pour ça, je vais louer un tracteur qui me faut 375 chevaux. On va partir sur le Rostelmash. Alors ça m'embête parce qu'il roule à 27 km/h. Donc 11 000 pour le Rostelmash. On va prendre le culti qui va avec. Donc 16 000 pour cultiver. Ça fait un peu mal, mais bon, au moins on perd pas de temps. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de rush. Bon voilà, l'ouvrier est lancé en culti sur le champ. Moi ce que je vais faire pendant ce temps, c'est que je vais le découper pour faire une partie ferme et une partie culture. Donc pour ça, je vais prendre le mode paysage, peindre. On
va prendre l'herbe et on va découper à partir d'ici. Donc on va agrandir un peu le pinceau. Voilà, donc là on va éviter au mieux les collisions d'ouvriers avec les voitures, le fait que les ouvriers fassent pas le début du champ, etc. Parce que les ouvriers, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le mal, mais les ouvriers permettent de gagner énormément d'argent. Parce que dans le jeu, vous avez ce que je découvrais en deux types de tâches, les tâches qui sont faisables par les ouvriers, les tâches qui ne sont pas faisables par les ouvriers. Si, pendant que votre ouvrier fait une tâche, ou vous faites une tâche que l'ouvrier ne peut pas faire, vous gagnez de l'argent, forcément. Donc, on a fait le découpage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser la maison. Peut-être avant, on va aplatir. Donc la maison, je vais la poser près de la route, ici, dans ce coin-là. Et donc après, ce que je veux surtout, c'est que ce soit plat. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en pinceau moyen et on va commencer à aplatir. Donc là c'est pareil, vous allez voir l'argent qui va descendre pas mal, mais c'est nécessaire. Hop. Alors là je suis peut-être allé un peu loin, je sais pas si j'aurai la place de faire une route, mais bon. On va aplatir jusqu'ici pour commencer. Voilà. Donc on va poser une petite maison. On va la poser ici. Ça risque d'être assez long. Ce qu'on va faire, on va louer un deuxième culti avec un tracteur qui coûtera beaucoup moins cher. On va prendre. On va prendre le Valtra. On va le louer. Donc c'est un 190 chevaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre le déchaumeur en 6 mètres. Voilà, on va regarder déjà. Donc là, on a le temps de faire encore un peu d'argent. Comment on va faire pour faire un peu d'argent? Non. Si, on va le faire. Donc, comment on va faire pour gagner un peu d'argent encore pendant ce temps-là? On va faire quelque chose que les ouvriers ne peuvent pas faire, du forestier. On va louer la rotte. Donc, certes, c'est un investissement assez important, hein, 4000 euros. Hop, on va lui dire de nous rejoindre. Allez, vers. Viens ici. Pendant ce temps, nous, on va poser un truc qui est génial dans cet opus de farming, c'est donc les points de vente. On va poser une chaufferie de biomasse et on va la poser juste à côté de la maison. On va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près propre. Là. Et maintenant, vous allez me dire, mais pour couper des arbres, il faut planter des arbres, ça met longtemps à pousser. Mais encore un truc qui est génial, la fin de 2022, c'est que vous pouvez acheter les arbres déjà tout poussés. Donc, on va faire une ligne pour que ce soit assez droit pour pas s'embêter avec la batteuse. Donc, on va la faire en forestier. On va à peu près aller ici. Et là, faire une ligne. Donc maintenant qu'on est au champ, à notre parcelle d'arbres, qu'est-ce qu'on va faire? On va la couper. On va se mettre en bonne position. Voilà, on ouvre la pince. Et on va tout simplement commencer à couper des arbres. Et là, alors là, je suis encore à 1 mètre, mon boloss. Donc on va se mettre en 8 mètres et on va couper directement les arbres dans le trigger.
ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit accéléré, le temps que ce prier finisse de cultiver. Moi, je vais continuer à couper des arbres. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mon cultivateur vient de finir. Moi, je finis de couper mon dernier arbre. Donc, comme vous avez pu le voir, les arbres, ça coûte 2 200 € pour les planter. À l'âge directement adulte. Alors oui, vous pouvez les planter à la planteuse et attendre qu'ils grandissent. Mais ça prend 3 saisons. Donc, ça peut être bien si vous faites une partie pas en rush, vous commencez à... jours par planter vos arbres et ensuite ce que vous faites c'est que vous passez le temps et vous les coupez ensuite à la troisième saison. Là on est sur du rush, donc on essaye d'aller vite. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre nos cultis qui ne servent plus à rien. Voilà, on va passer la journée, on va vendre déjà le bois, on va passer la journée et on va voir pour semer juste après. Ça c'est trop lourd, donc il me faut une tronçonneuse. Voilà. Voilà. Donc on aura vendu pour... Alors le bois c'est... ici 68 159. Donc il y avait 10 arbres, ça veut dire qu'on vend l'arbre 6 800, on l'achète 2 200, donc on fait 4 600 de bénéf par arbre, d'accord. Donc 68 000 moins 22 000 d'achat, ça fait donc du 46 000 si je dis pas de bêtises. Donc vous avez vu, on a eu pour 48 000 € de location de véhicules aujourd'hui. On les a direct remboursés avec le bois. Ce qui est plutôt pas mal. C'est loin d'être dégueu, quoi. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer de l'orge. Donc l'orge, ça se sème au mois de septembre. Donc c'est au prochain mois. Alors, les pendeurs. Donc on va l'acheter, parce que ça va nous servir pas mal. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer un semoir. On va louer celui-ci. On a assez de puissance pour le tracter. Hop, j'ai pas regardé les promos. J'espère qu'il n'y avait pas le semoir. Sinon, je vais m'arracher la tête. Donc, par contre, vous voyez, on a le Bertou en promo à moins 67%. Donc là, on n'hésite pas. Et on l'achète. Donc voilà, là j'ai coupé mes 10 arbres. Comme vous pouvez voir, l'ouvrier il a fait quoi? Il a fait on dirait un tiers du champ. J'ai coupé mes 10 arbres. Donc il va falloir à peu près une demi-heure à l'ouvrier pour semer le champ. Donc ça veut dire que si je le faisais à la main, certes j'économiserais 2 000 ou 3 000 € de salaire. Peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Par contre là, ce que je vais gagner c'est en dizaines de milliers d'euros. Donc il vaut beaucoup mieux mettre un ouvrier sur ce qu'il peut faire et ici nous générer notre argent avec le bois.
Donc là c'est pareil, mais maintenant je vais replanter 10 arbres. Jusqu'à ce que l'ouvrier est fini, je vais faire ça. Donc on se retrouve juste après. Donc nous voici à la fin du semis de l'orge. Ça tombe bien parce qu'il reste plus grand chose dans le réservoir. Donc j'ai pas pu en faire 30. J'en ai fait 24, il en reste un comme vous pouvez le voir d'ici. Mais il me reste un coup d'engrais à passer. Je vais le faire pour l'instant. On va juste revenir avec le tracteur là-bas. On va délouer le semoir. On va rendre le semoir parce que délouer ça fait un peu bizarre. Le semoir est vendu. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'ouvrier à épandre l'engrais. Je vais finir de couper ce dernier arbre. Et puis on va pouvoir commencer à avancer le temps gentiment jusqu'à la récolte qui est au mois de juin de la deuxième année. Donc oui, je sais, je vois venir dans les commentaires. Ouais, mais si tu fais comme ça en difficile, c'est facile parce que tu utilises les locations, les machins. Alors je vous le dis tout de suite. La seule chose qui changerait si je faisais une partie difficile où je m'interdis les locations, je le faisais sur le 19. Je m'interdisais les locations, je m'interdisais les prêts, le crédit, etc. La seule chose que ça changerait véritablement, c'est que les 10-15 premières heures de la partie, même pas, ouais, mais les 5-10 premières heures de la partie, je ferais des missions pour pouvoir me payer la batteuse. Près. C'est vraiment tout ce que ça changerait. Après, une fois que vous avez la batteuse de payer, ben, au lieu de faire comme je fais là, c'est-à-dire de faire des armes que quand j'ai le temps, que j'ai les ouvriers qui font quelque chose, mais je ferai que ça. Parce que j'ai calculé, en faisant les arbres comme ça, je génère 500 000 euros par heure jouée. IRL. Donc, à la limite, la partie serait un petit peu plus longue, mais de peut-être 10 heures quoi, mais pas plus. Parce qu'au final, dès que j'aurai besoin d'une machine, genre une moissonneuse, au lieu de la louer, bah, je taperai une petite heure de bois et je l'achèterai. Donc, au final, oui, j'entends l'argument. Oui, mais comme ça c'est facile en s'autorisant tout. Bah, déjà, bon, c'est les règles de Giants, c'est pas les miennes. En mode difficile est fait comme ça. C'est eux qui ont laissé les cartouches en difficile, c'est pour une raison. C'est eux qui ont laissé le bois à ce prix-là, c'est pour une raison. Donc, voilà. On peut s'interdire beaucoup de choses. La seule chose que ça va rajouter, c'est que la partie, comme je dis, sera un petit peu plus longue. Ce sera un petit peu plus chiant pour vous à regarder, parce que vous allez me voir abattre du bois pendant des heures et faire des missions pendant des heures. Mais, en gros, c'est vraiment tout ce que ça va changer. Le tout, c'est d'avoir le bois rapidement, donc la batteuse rapidement, parce que c'est vraiment le plus gros money maker du jeu. Là, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ont peu de temps de jeu, qui travaillent beaucoup ou quelque chose comme ça, du coup, vous allez pouvoir voir au fil de la série, je vais vous montrer les plus gros money maker du jeu. Donc là, j'ai commencé cet épisode 1 par le bois. L'épisode 2, je vous montrerai autre chose. L'épisode 3 aussi, etc. Et on va aller comme ça vers l'avant en faisant de plus en plus d'argent. Et donc comme ça, même les gens qui veulent jouer des parties qui sont quand même assez longues, parce qu'en difficile ça reste assez long, malgré le fait que vous fassiez du bois, etc. Ça reste malgré tout assez long, comparé au mode facile. Donc pour tous les gens qui veulent faire ces parties en difficile, mais qui, pour Y, X raison, rentrent le soir à 21h et doivent se coucher assez tôt, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ben ça vous permet quand même de pouvoir avancer un minimum dans ce mode difficile sans trop non plus y passer d'heure. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc là on va pouvoir rendre cette machine là. Voilà. Donc là on n'a plus rien à faire, donc effectivement, ben, on va pas laisser l'ouvrier faire ça, on va le faire, je vais le faire à la main. Alors le Valtra, première et dernière fois, honnêtement, il est pas magique hein, comme tracteur, ça vient d'accord.
Donc je vais finir de mettre cet engrais là et on se retrouve juste après. En fait, je remets l'ouvrier parce que j'ai oublié de vous montrer l'argent que j'ai fait pour le bois. Donc on était à 68 000 tout à l'heure, là on est à 168, 169. Donc j'ai coupé 25 arbres supplémentaires. Donc ça m'a permis de générer pas mal d'argent. Donc ça nous a coûté, ça m'a coûté combien? Donc 25 arbres supplémentaires, hein, ça fait du 22, 44, ça fait du 55 000. Bah oui, c'est que là je suis bête. Donc j'ai planté pour 55 000 d'arbres et j'ai récolté 169. C'est quand même assez énorme, sachant que j'ai joué ouais, un peu moins d'une demi-heure le temps que ça sème et que l'ouvrier passe l'engrais. Donc mettre les ouvriers, quand vous faites autre chose à côté, c'est quand même, ça reste quand même super rentable. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Après, hein, comme je vous dis, on peut se faire des parties RP où on met pas d'ouvriers. Et encore, RP où on met pas d'ouvriers. Pour ceux qui sont pas de la campagne, je vous le dis tout bête, les agriculteurs qui font ce qu'on appelle les grands céréaliers, etc., ceux qui font des hectares de céréales, ils ont des ouvriers. Faut pas croire, hein. Eux, ils sont plus occupés par tout ce qui est gestion de la ferme, consulter le cours des céréales, etc., pour vendre au meilleur prix, recevoir les commerciaux, etc., que à faire les tâches eux-mêmes. Donc, pour les gros céréaliers, souvent, ils ont beaucoup d'ouvriers et c'est eux qui font ce travail-là, justement. Il y a encore pas mal d'agriculteurs hein, qui font la plupart du boulot eux-mêmes, mais en général ils sont dans des ETA où ils ont quand même des ouvriers pour l'ETA, où ils ont des poulains, parce que ben, tout seul c'est compliqué, pas se leurrer non plus. Hein. Donc ouais, jouer RP oui, jouer sans ouvriers c'est pas si RP que ça. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller poser le semoir, comme c'est le seul truc qui est à moi. Je vais le poser à la ferme. Et puis on va commencer à passer les jours pour pouvoir arriver à la récolte. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les jours, je vais regarder les promos. Enfin, pas les promos, les occases, pardon. Si d'occase, il y a un truc qui me plaît, eh bien, je louerai la rotte. Je ferai l'argent nécessaire pour pouvoir l'acheter. Et je l'achèterai. Donc, on rend le Valtra. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on y va, on passe les jours. Action.
24 heures par mois, donc 12 mois fois 24 heures fois 500 000 euros par heure de voies coupées, si vous restez donc en vitesse 1, en vitesse réelle, vous pouvez générer 144 millions d'euros par année. Donc c'est vraiment le plus gros money maker de très très loin. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par le bois. Donc dans le prochain épisode, on fera donc la récolte du champ 30 et on verra combien de blé on génère dessus, et d'orge. Et cette quantité d'orge va définir combien de poulaillers on va pouvoir mettre. Sachant qu'un poulailler, un grand poulailler, consomme 1800 d'orge par jour, donc par mois. Donc je vous laisse là pour ce premier épisode et à très bientôt dans le deuxième.